Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Ce sont des panneaux pour des portes coulissantes que je réalise pour le nouveau meuble d'atelier, mais je vous expliquerai tout la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a été très utile pour réaliser ces portes. Ce sont des fers de profil contre profil. C'est extrêmement simple à réaliser et j'avais envie de vous expliquer tout ça dans une vidéo dédiée. Et puis, comme dirait mon ami Franck de Créolinium, c'est aussi facile que papa dans maman. Les fers en profil contre profil, il y en a plein. Mais alors, plein. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Là, en l'occurrence, j'en ai 7 à disposition pour des utilisations totalement différentes les unes des autres. On va en avoir 3 pour du collage et 4 pour de l'assemblage, mais pour réaliser seulement 3 assemblages différents. Je vous montre ça. Bon, voici l'échantillonnage dont je dispose. Profil contre profil pour du collage, de l'usinage rainure-languette, de l'usinage comme ce qu'on va voir aujourd'hui, mais en plus petit pour assembler des montants et des traverses avec un panneau central. Et là aussi. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur celui-ci, on va retrouver les deux profils en même temps. On a ce profil-là, mais on a aussi ce profil-là, l'opposé. C'est un petit peu plus complexe en réglage et c'est pour ça que chaque fer fera l'objet d'une vidéo au niveau installation, réglage, utilisation. Aujourd'hui, on va parler de ces 4 fers ici. Ils vont par paire, bien sûr, puisqu'on monte 2 fers sur le porte-outil ici. Et ces deux vont parfaitement s'emboîter l'un dans l'autre par retournement. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, la première chose, je le dis à chaque fois et je le répéterai systématiquement quand on utilisera la toupie, la première chose, c'est on retire sa bague. Ça ou ses bagues. Moi, j'en ai qu'une. Donc, je la retire systématiquement. Pourquoi ? Parce que si votre fer, votre outil, venait qu'à vous attraper le doigt pour X raisons, mais je veux vous montrer, normalement, votre main ne peut pas aller sur l'outil quand vous mettez toutes les protections. Si votre doigt venait qu'à toucher l'outil, il vaut mieux avoir une coupure ou même un doigt coupé, sectionné complètement. Par contre, si vous avez une bague et que la bague est attrapée par un outil, c'est simple, la bague va être arrachée et donc tout ce qu'il y a autour de votre os va être arraché aussi. Vous aurez plus de doigts, mais surtout, il sera irrécupérable. Les médecins ne pourront strictement rien faire. Et ce sera pire au niveau des séquelles derrière par rapport à si vous aviez un doigt coupé. Donc, s'il vous plaît, on retire toutes les bagues systématiquement, même quand les mains sont loin, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc ça, c'est fait. Pas de vêtements amples. Ça, c'est OK aussi. Protection auditive, lunettes, bon, moi j'ai déjà les miennes. L'aspiration est indispensable. Ça évite d'envoyer des copeaux partout parce qu'une toupie, si on n'a pas l'aspiration, on reprend tous les copeaux dans la tronche. Je vous montrerai le positionnement des mains, mais ce qui est indispensable, c'est un bon poussoir. Un poussoir costaud et pas un truc bricolé à la va-vite. Vous pouvez en faire en bois, mais faites-les correctement. Je vous conseille quand même des vrais bons poussoirs. Maintenant, je range tout ça et je prépare pour vous montrer comment installer les fers. La première chose, comme là j'ai retiré mes fers tout à l'heure, consiste à retirer tous les copeaux, enfin toute la poussière de bois qui peut rester au fond et qui empêcherait un bon positionnement de l'outil. Voici les profils qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je commence toujours par cette partie-là. La partie mâle ici qui va nous permettre d'usiner la partie femelle. Rien de plus simple, je positionne mon fer dedans, j'ai pas de jeu, mon fer est positionné grâce aux petits ergots. Je viens mettre ma cale ici qui va le maintenir en place. Et je viens simplement serrer le tout. Je fais la même chose avec le second fer. Et pareil, on vient serrer tout ça. Bon, ok. Je vous apprends rien de particulier, hein. Là, on met les fers dans le porte-fer. Là, en l'occurrence, on a 2 fers. Sur ce porte-fer-là, j'ai des plaquettes ici pour mes arasements. Ici, j'en ai pas besoin. Donc là, bah, c'est prêt. Il me reste plus qu'à monter ça dans la toupie. Et après, tout à l'heure, on changera pour l'autre profil. Mais avant de monter le porte-fer et ses fers sur la toupie, il me manque
mon bois. Là, j'ai ces deux pièces que je vais encore couper en deux. Je vais avoir 4 pièces. Je veux en usiner 2. Je vais en avoir 2 drabes. Cette pièce supplémentaire va vous servir à régler la machine et elle vous servira de pièce test. Comme ça, vous allez utiliser cette même pièce en premier pour voir si votre usinage est bien fait et surtout s'il est bien positionné. Je dis 2 pièces de râpe quand c'est la première fois parce que on tâtonne toujours un petit peu plus, on hésite, on a des doutes, on peut faire des erreurs. Donc, je vous conseille d'avoir toujours des pièces en râpe. Simplement parce que si vous ne prenez pas cette habitude et que vous usinez directement vos pièces, il y aura un moment, même si vous êtes sûr de vous, il y a un moment où vous risquez de ne pas être bien pointé et de devoir refaire une pièce. Et sachez que si vous devez refaire une pièce, cette seconde pièce ne sera jamais identique aux premières parce que vous allez devoir re-régler vos machines. Donc, on prévoit toujours une ou deux pièces de rab pour pouvoir pointer et tester sur la toupie. Bon, assez de blabla pour les bois. Maintenant, on passe à l'installation. Bon, ben aujourd'hui, on va utiliser celle-ci et pas celle de ma Combinalls Profi parce que ce serait trop facile. Au niveau des réglages, c'est beaucoup plus compliqué sur celle-ci, donc je vais vous montrer ça là-dessus parce que la Halls Profi a un système de guidage qui est beaucoup plus simple à régler, beaucoup plus facile. Et voilà, ce serait trop facile pour vous expliquer en fait. Quoique, vous allez être surpris parce que sur ce profil, contre-profil-là, c'est extrêmement simple à régler et à utiliser. Ça peut paraître compliqué, c'est très simple. La première chose, c'est j'écarte les joues de mon guide pour pouvoir passer librement. Alors, la première chose à faire va être de régler mon fer à la moitié de la section de mon bois. Ça, je vous laisserai faire en fonction de votre section de bois. Là. Je l'ai réglé par rapport à la moitié de mon bois. Pour vous aider, je vous conseille de vous acheter ce réglet de toupilleur. Alors, il y a plein de marques différentes, que ce soit Halls Profi, Le Man ou encore une multitude d'autres. Je vous conseille de régler ça. Vous avez un côté avec tous les chiffres pairs, l'autre avec toutes les mesures impaires. Et ça vous permet de venir régler votre outil précisément. Ensuite, il faut régler la profondeur d'usinage. Personnellement, je ne travaille pas en une passe. Pour un profil comme ça, comme la rainure centrale va quand même être assez importante, je crois qu'elle fait dans les 13 mm de profondeur. On va travailler en deux passes. Je vais régler mon outil pour pouvoir prendre à peu près la moitié du fer en fait. Mon fer doit prendre tout ça normalement pour pouvoir travailler le profil plein. Mais je trouve que c'est pas judicieux et qu'il vaut mieux travailler en deux fois, c'est-à-dire que je vais prendre la moitié, c'est-à-dire cette profondeur-là, et ensuite, une fois toutes mes pièces passées avec cet usinage-là, c'est-à-dire à mi-profondeur, je viendrai re-régler mon guide pour pouvoir usiner sur toute l'épaisseur du fer. Une fois que c'est fait ici, j'ai bien serré pour pas que mon guide puisse bouger. Maintenant, il faut que je règle les joues pour qu'elles soient le plus proche possible du fer sans le toucher. Enfin, le plus proche possible, jamais trop proche non plus. Hein, parce que s'il y a des copeaux qui restent coincés entre les deux, il faut laisser toujours quelques millimètres. Là, c'est pas mal. Je peux serrer la joue de droite. Bien sûr, quand vous faites ça, le courant est coupé. Hein. Votre machine ne peut pas démarrer. Nickel, on peut serrer l'autre et c'est parti. Alors non, c'est pas vraiment parti. Là, on pourrait l'utiliser comme ça, mais on serait absolument pas en sécurité. Parce que là, si je passe mon bois qui a un rejet derrière, ma main elle rentre dedans et voilà. On va faire de la compote avec mes doigts. Alors là, il faut que je remette mes protections pour pouvoir être paré à l'utiliser en toute sécurité. Vous avez toujours deux types de protection. Un avec le presseur vertical qui vient presser sur la table et l'autre qui vient presser de façon horizontale sur le côté contre le guide. Le problème, c'est que comme une section là, comme la mienne, et comme sur les portes coulissantes que j'ai effectuées, la largeur n'est pas suffisante pour pouvoir mettre les deux et pour pouvoir
passer le poussoir en toute sécurité. Pourquoi ? Eh bien, en fait, je pourrais passer le poussoir avec celui-ci collé à l'autre, mais les roulettes, enfin les molettes ici, font que ça passe pas. Je pourrais rapprocher celui-ci, mais le problème, c'est que mon outil va toucher ma roue après et que je vais la détruire. Donc là, celui-ci, je vais quand même le mettre parce qu'il va m'empêcher la main, s'il y avait un retour en arrière ici, il va empêcher ma main de rentrer dans le puits. Donc c'est quand même important de le positionner. Je le positionne très bas, mais toujours assez haut pour que mon poussoir passe dessous, parce que celui-ci va me servir comme ça, hop, et je vais pousser sur le dessous. Donc on règle ça, on va régler la hauteur de celui qui va plaquer notre pièce de bois contre la table. Je viens mettre mon presseur au contact de ma pièce ici, j'appuie un petit peu et je viens serrer mes molettes de réglage. Comme ça maintenant, quand je vais vouloir passer mon bois, hop, elles vont toutes remonter. Et mon bois est parfaitement plaqué sur la table. Il me restera juste à pousser pour sortir mon bois. Bon alors, votre machine est pointée. Vous êtes prêt à réaliser la première passe qui ne sera pas la passe définitive puisqu'il y en aura une seconde pour faire l'usinage au complet. Enfin, personnellement, je le fais en deux passes. Après, à vous de voir. Donc, vous pensez que vous êtes prêt à y aller. Ah, il vous faut votre pièce d'essai. Ça, on est d'accord. Mais il vous manque quelque chose. Une information importante. Quand on travaille à la toupie, on fait en sorte de toujours travailler avec le parement sur la table. Le parement, c'est la face visible. Alors, si vous avez vous êtes en train de réaliser votre projet, comme moi, mes portes, vous êtes censé avoir vos signes d'établissement. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir dans le petit, vous pourrez télécharger mon livret avec les différents signes d'établissement et de façon totalement gratuite sur mon site internet. Vous avez vos signes d'établissement et les signes d'établissement, on les fait toujours sur le parement, la face visible en fait, la face qui sera celle qui sera face à vous, qui est censée être la plus jolie, même si une porte a deux côtés. Là, en l'occurrence, pour un placard, il n'y a qu'une face qui est visible. Donc, on travaille toujours le parement, la face visible, celle qui est face à vous, sur la table. Donc, votre signe d'établissement sur la table. Pourquoi ? Alors, parce que c'est comme ça, j'aurais tendance à vous dire. Et pour une deuxième raison, sur celui-ci, vous allez voir après, quand on va changer d'outil, il n'y aura pas beaucoup de manipulations à faire et pas beaucoup de réglages à faire. Donc, si vous travaillez toujours avec le parement sur la table et que votre outil n'est pas parfaitement centré, eh bien, c'est pas grave, vous pourrez toujours assembler vos pièces et sans désaffleur avec celui-ci. Allez, je marque le parement de toutes mes pièces. Là, je fais des croix, hein, parce que c'est que des pièces d'essai. Et celle-ci, c'est ma pièce d'essai. C'est-à-dire que c'est celle qui va me servir à tester, voir si mon réglage est bon, si tout est correct, avant de passer les bonnes pièces dans la toupie. Alors, je répète, protection auditive obligatoire, pas de vêtements amples, pas de cheveux longs, sinon on les attache. Pas de bagues, pas de bijoux, pas de colliers qui pendent et qui risqueraient de toucher ou d'être attrapés par la toupie. L'aspiration indispensable, sinon vous allez vous prendre tous les copeaux dans la tronche. Donc aspiration obligatoire. Une fois que ça c'est bon, vous prenez votre pièce d'essai, votre pièce martyr, et vous allez pouvoir faire votre première passe. C'est parti. Et bien sûr, vous reliez votre aspirateur à la toupie. Sinon, comme là, on se prend tous les copeaux qui restaient dedans dans la tronche. Autre chose de très important... Je le répète parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ici, on vérifie qu'il n'y ait pas de copeaux. C'est extrêmement important de bien nettoyer. Alors, pas avec les mains parce qu'il ne faut pas s'approcher. Vous soufflez, vous prenez une balayette, vous éteignez, vous passez la balayette, peu importe. Mais vous nettoyez, vous soufflez, dans l'idéal c'est vous soufflez, il ne vous faut pas de copeaux ici, vous pouvez aussi écarter les copeaux avec vos pièces de bois, mais il ne faut pas de copeaux, parce que ne serait-ce qu'un petit copeau sous votre pièce va dérégler votre usinage. Alors ça peut être très léger, mais c'est quand même dommage d'avoir des désaffleurs juste parce qu'on a laissé un copeau sur la table coincé entre notre pièce de bois et la table.
Donc on nettoie, on passe la pièce dedans comme je viens de le faire. Arrivé ici, on ne lâche pas la pièce hein, pour pas qu'elle reparte en arrière. On vient juste prendre le poussoir, on appuie contre la joue ici et on pousse. D'accord ? C'est vraiment le poussoir. Le poussoir est vraiment l'outil indispensable puisque c'est lui qui vient finir de pousser en toute sécurité ici. Vous voyez, on est sur la première passe, ce qui fait que mon usinage n'est pas complet, mais on a travaillé sur la moitié ici de notre rainure, parce que notre rainure va être deux fois plus longue après. Je ne la réalise jamais en une seule fois parce que je trouve que ça fait beaucoup de bois à retirer. Donc deux fois, c'est très bien. Maintenant que je suis satisfait avec ma pièce d'essai, bah, je peux passer mes autres pièces dans la toupie. C'est parti, l'aspiration, la machine, et on y va. J'ai juste à décaler mes protections, à écarter. Alors ça, il faut pas oublier, hein, parce que régler la profondeur sans réécarter les joues, eh ben, en fait, votre outil il va mordre dans les joues après. Donc on réécarte les joues, on reprend notre pièce d'essai et on vient régler la bonne profondeur. Là, ça devrait être bon. Et si jamais il manque, je rajouterai le millimètre manquant après. Je re-règle mes joues. Je réaligne mes protections pour venir presser correctement sur mon bois sans toucher l'outil, parce que là on n'est vraiment pas loin. Et c'est parfait. Alors, j'ai oublié d'allumer la caméra pour le début de ma pièce d'essai. Dedans, c'est ma pièce d'essai. J'ai fait 10 cm et j'ai arrêté la machine. Je vais ressortir ma pièce avant de la repasser dedans. Il faut surtout ne jamais rallumer une machine avec la pièce comme ça dedans. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à la sortie, mon bois n'appuie pas sur la joue de sortie. Donc, je vais venir régler celle-ci pour qu'elle vienne en appui sur ma pièce de bois. Comme ça, ma pièce sera en appui et je vais pouvoir pousser tranquillement et appuyer à la fin sur ma joue de sortie. Alors, c'est important de régler la joue de sortie là. En général, c'est toujours pareil, vous dévissez le blocage sur le côté, vous réglez à l'arrière et vous resserrez. Si je ne le faisais pas, arrivé en sortie, dès que je vais appuyer dessus, mon bois, ben, il va s'écarter là de l'autre côté. Donc ça ne marchera plus. Donc il faut absolument que les deux joues coïncident l'une par rapport à l'autre et la joue de sortie doit coïncider à votre usinage. Donc là, surtout, jamais, on ne redémarre jamais la machine comme ça, on ressort le bois. Et on va repartir d'ici pour l'usinage. Alors, c'est pas mal du tout. J'ai sursauté, je sais pas si vous l'avez vu un moment, parce qu'il y a un éclat qui est parti. Je l'ai vu partir, je l'ai pas pris mais je l'ai vu. Et en fait c'est parce qu'il y avait un nœud ici. Mais en même temps c'est des pièces, c'est notre pièce d'essai quoi. Et en pièce d'essai on prend jamais le plus joli bois. Donc il y a une chose extrêmement importante que j'ai pas encore dit et que vous allez voir ici sur la partie du nœud. Et c'est valable aussi en fonction de votre vitesse d'avancement. C'est l'arrachement. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir de l'arrachement comme ici là. Alors là, c'est à cause du nœud parce que c'est dans la prolongation, dans le prolongement. Mais après, tout le reste est très propre. Par contre, j'y vais extrêmement doucement quand j'avance. Je ne cherche pas à aller le plus vite possible et à pousser ma pièce. Parce que si vous allez trop vite, ici, vous allez avoir de l'arrachement et votre arête ne sera vraiment pas jolie. Donc, on y va doucement. On y va. On souffle bien les copeaux, l'aspiration. On n'oublie pas de mettre notre parement sur la table, on ne se trompe pas de sens.
Mes trois pièces sont faites, vous voyez. Elles sont parfaitement propres, bien usinées, parce qu'elles ont été faites en deux fois et que la vitesse d'avancement a été adaptée pour ne pas avoir d'arrachement. Et oui, maintenant je dois dire qu'on attaque une partie difficile, c'est quand il faut toucher à notre pièce pour la sortir, pour changer de fer. C'est toujours un peu compliqué pour bien retomber. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand le même profil est sur le fer. C'est-à-dire qu'il y a les deux profils sur le même fer, comme on l'a vu au tout début. Là, ce sont deux profils sur des fers différents. Et bien, en fait, c'est extrêmement simple. Il me suffit de sortir mes protections. Une fois que j'ai sorti mes protections, je détache, je retire mon fer, enfin mon porte-outil, pardon, de l'axe. Et voilà. Par contre, je ne touche absolument pas à mon volant de réglage. Là, il ne faut pas y toucher pour la hauteur. Ensuite, eh ben, j'ai juste à sortir les fers qui sont dessus et à mettre les autres. L'autre fer est installé et j'ai juste à reprendre mon porte-outil, à le remettre dedans et à tout resserrer. Et c'est parti. Enfin, c'est parti, pas totalement, parce que sur cet assemblage-là, je vais vous montrer de plus près. Alors, quand je dis que celui-ci est un des profils contre-profils les plus faciles qui soit, un des plus faciles à utiliser, c'est pas des paroles en l'air, c'est vrai, parce que on a changé de type de fer, on a remis notre porte-outil, on a resserré et c'est tout. On ne touche pas au réglage du guide, c'est extrêmement important, parce que cette joue ici va nous servir de butée, puisque là, si on regarde par rapport à nos pièces de bois, quand on passe notre pièce dedans, on avait la profondeur parfaite pour usiner ici notre rainure. Et avec celle-ci, on va pouvoir utiliser la languette. Avec celle-ci, on va pouvoir usiner la languette et donc on va se servir du guide, de la joue d'entrée comme guide de profondeur. Par contre, il ne faut pas qu'on soit gêné par celle-ci. Donc, soit on la recule, soit on peut carrément la sortir ou la décaler complètement pour pas qu'elle nous gêne en sortie. Moi, en général, je la décale complètement. Comme ça, je peux passer avec mon bois. Et une fois que je suis ici en sortie, hop, je peux le retirer facilement. Je risque pas d'être gêné avec l'ajout de sortie. Maintenant, bah, il me faut mon guide. Donc, j'attrape mon guide. Et oui, tout à l'heure, je vous ai dit que je prenais cette toupie parce que ce serait plus compliqué à régler. Parce que sur la Halls Profi, ben, j'ai déjà en fait mon chariot avec mon guide. J'ai tous les réglages dessus possibles pour les angles à 90, pour plein d'angles différents. Et ce qui fait que c'est trop facile au niveau du réglage. Alors trop facile, j'adore, je préfère quand c'est trop facile. Mais là, pour vous montrer, ben, j'ai pris celle-ci pour vous montrer une autre astuce. Je vais rentrer mon guide. Et là, je dois régler mon guide pour qu'il soit mon guide doit être perpendiculaire à mon chariot. Bien, c'est simple. Je prends mon équerre, je viens la caler sur mon chariot plutôt que d'essayer de se régler à la joue qui n'est pas elle forcément d'équerre. On vient se mettre, on s'appuie contre le guide ici et on vient se mettre à l'équerre correctement avec le guide. Donc je plaque mon équerre contre, je la relève légèrement ici et là je viens me mettre bien droit et là bien plaqué. Ma règle plaque, mon équerre plaque tout le long parfaitement. Je fais attention à ne pas la décoller ici. Elle plaque parfaitement, donc là je peux serrer mon point de pivot. Maintenant il me reste l'arrière ici qui n'est pas serré. Donc, je vérifie, j'ajuste s'il faut, ce qui est le cas là, je dois ajuster un petit peu. Et une fois que c'est parfait, eh bien, on vient serrer ici. Et là, mon guide est bien d'équerre. Il n'est pas question de mettre notre bois ici et d'avancer, parce que ici, avec rien en appui, on va complètement éclater notre pièce de bois.
Donc, là, ça se voit, c'est celui que j'avais dessus. Là, c'est la cale martyre qui m'a servi pour mes portes coulissantes. Et donc, je vais juste recouper le bout ici. Alors, je suis revenu couper cette pièce-là parce que je veux réutiliser celle-ci, simplement parce qu'elle a déjà des trous de fait sur le dessus pour pouvoir mettre ce type de serre-joint-là dedans et pour pouvoir serrer ça sur mon guide. Comme ça, la cale martyre est parfaitement fixée sur mon guide. Alors, pour ça, je viens appuyer ma cale martyre jusqu'à ma joue d'entrée ici. Et je viens serrer avec mes petits serre-joints. Bien sûr, vous ferez attention à prendre un bois qui est parfaitement dégauchi et raboté en guise de cale. Parce que si celui-ci n'est pas complètement bien, enfin si celui-ci n'est pas bien corroyé, eh bien votre pièce ne sera pas bien positionnée et vous pourrez recommencer votre usinage. C'est extrêmement important. Donc, comment ça fonctionne? Là, je serais presque prêt à y aller. On va remettre les protections quand même. Même si elles ne vont pas avoir un rôle de presseur, elles vont avoir un rôle pour empêcher d'accéder au puits. Là, je vais régler ceci pour que ma pièce de bois puisse passer dessous quand je veux la changer. Et quand je serre, là, c'est parfaitement serré. Elle ne pourra pas bouger au moment de l'usinage. C'est important parce que comme la pièce ici est en rotation, elle va avoir tendance à amener votre pièce de bois à l'intérieur du puits. Donc celle-ci doit être parfaitement immobilisée. Si vous n'avez pas de presseur comme ça qui presse sur votre chariot ou sur votre table à tenonner, vous mettez des serre-joints dans l'autre sens, mais votre pièce doit être absolument bloquée sur votre guide. Elle ne doit pas pouvoir bouger d'un millimètre. Mais avant ça, on remet les protections. Les protections ne doivent pas gêner quand vous allez passer votre pièce de bois. Donc, celle-ci, je la descends au plus près de mon guide sans que ça ne touche. Il ne faut pas que ça touche. Voilà. Et je fais pareil avec la seconde. Et là, une chose est sûre, c'est que si je veux accéder dans le puits, il faut vraiment que je le fasse exprès en glissant... Voilà. Mais c'est pas possible. Là, ma main ne peut pas accéder au puits quoi qu'il arrive. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que mon bois décide de rentrer dans le puits parce qu'il n'est pas serré correctement. Vous ne pouvez pas tenir un bois avec vos mains. C'est pas possible. Le fait de tenir votre bois comme ça ici, tout ce qui va se passer, c'est que votre bois il va glisser, glisser, glisser et il va être happé par la machine dans le puits. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, surtout, ne tenez pas juste avec vos mains. On ne bloque pas une pièce de bois avec ses mains. On utilise les presseurs adaptés ou des serre-joints. Et là aussi, il faut être sûr de vos serre-joints. Évitez les serre-joints à une main, comme ça. Là. Autant certains, comme ceux-là, là, fonctionnent très bien, autant certains sont beaucoup trop légers pour pouvoir tenir une pièce comme ça. Mais rien ne vous empêche de mettre... le presseur comme ça et un serre-joint en plus si vous n'êtes pas sûr de vous. Allez, donc là je sais que j'ai juste à amener ma pièce parement, toujours pareil, parement sur la table. Je l'amène en butée contre ma joue d'entrée. Je viens serrer ça. Ah, il faut que ça passe. Voilà. Et je vais pouvoir passer ma pièce pour l'usiner. Une fois que je suis en sortie ici, je rabaisse ça, je sors ma pièce et ensuite je recule. D'accord? C'est parti pour la démo. Je vérifie toujours une seconde fois, voir si tout est bien serré, parce que là, ce serait quand même embêtant. Ça, je l'ai bien serré tout à l'heure. L'aspiration, et c'est parti.
Maintenant, avec l'outil dont je dispose, je ne sais pas si c'est un problème d'affûtage. Pourtant, les fers sont neufs, donc je n'ai pas eu à les affûter. Je pense que c'est un problème d'affûtage. J'ai de l'arrachement par endroits, comme ici, là. Mais vous voyez, ça se retire très facilement en passant un petit ciseau à bois pour nettoyer notre usinage. Ensuite, ici, hop, et ici. Et voilà. Ici, vous avez le résultat pour une traverse basse ou une traverse haute dans l'autre sens. Et ici, vous avez le résultat pour une traverse intermédiaire. Alors, maintenant, voilà ce que ça donne. Vous avez l'usinage femelle que sur un côté. Ça, c'est le montant. La partie que vous allez trouver comme ça. On va la mettre là. Ça, je mets la croix bleue vers moi, le parement. Là aussi. Donc, ça, vous avez un tenon au bout, donc la partie mâle, et après tout le reste, une partie femelle pour accueillir le panneau. Donc ça, c'est forcément une traverse basse ou une traverse haute, parce que là, je l'ai fait que d'un côté pour l'exemple, mais normalement, on fait les deux côtés pour les traverses hautes et basses. Là, hop, et ça s'emboîte parfaitement. Vous le verrez après. Et pour terminer, on a la partie intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez un tenon, donc une partie mâle à une extrémité, et une partie femelle de chaque côté. Par exemple, vous savez, les portes qui ont plein de petits carreaux, ben c'est avec ça, mais avec des usinages plus petits. Et lui, il va pouvoir se mettre en intermédiaire, comme ça. Je recoupe un peu mes bois, parce qu'ils sont un peu longs, là, et puis je vous montre ça en suivant. Je viens de tourner la scène, mais je recommence, j'ai plus de pile dans le micro. Là, on a la partie femelle qui sert habituellement de montant. Là, regardez. Hop, la traverse. Je l'ai juste posée, vous avez vu. C'est parfaitement à fleur, c'est nickel. Et avec l'intermédiaire, celle qui est usinée des deux côtés, eh bien, c'est pareil. Vous voyez? C'est à fleur, il n'y a pas de jour, et c'est magnifique. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer, si vous avez une toupie, de faire des beaux assemblages de menuiserie. Bon, et bien voilà, je viens de cheviller avec des petites chevilles en bois ici et là. Mais ça, on le verra quand on parlera des tenons, comment cheviller, etc. Là, c'est juste pour que ça tienne, il n'y a rien de... C'est pas mécanique, hein, parce qu'il faut coller une pièce comme ça. Là, c'est pour vous le présenter. L'avantage, c'est que si je veux reprendre des photos, je sors mes petites chevilles de bois... Et je peux les reprendre. Ça tient très bien. C'est un usinage qui est pour moi facile à réaliser. Vous l'avez vu, parce qu'au niveau réglage, il n'y a rien de compliqué. Même si votre fer n'est pas bien centré sur la machine, en soi, c'est pas grave. Parce que si vous mettez toujours le parement sur la table, vous êtes sûr d'avoir un assemblage qui soit toujours à fleur. Vous l'avez vu précédemment, je les ai posés dessus, les joints étaient déjà top, sans avoir à presser. Il faut savoir que si votre assemblage est bien fait, vous n'avez jamais besoin de serrer, de forcer avec des serre-joints. Vous venez le bloquer au moment du collage et c'est tout. On reverra ce profil contre profil quand je remplacerai la porte du garage, parce que j'ai prévu des portes, des vraies portes, mais sur une section de 50 mm de large, donc sur la totalité des fers. Donc on verra ce que ça va donner, on verra comment fixer tout ça, et surtout on verra comment on fait les panneaux qui vont dedans. Parce que les panneaux, il y a des petites astuces aussi à savoir. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos, comme pour les autres fers de toupie que vous avez vu tout à l'heure. Ces autres fers, eh bien je vous les présenterai aussi dans les vidéos comme ça, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que pour tous ceux qui ont une toupie, ça vous donnera envie d'essayer ce type de profil contre profil, parce que c'est un bel assemblage de menuiserie qui est facile à reproduire et qui vous permet de faire énormément de choses. Dans la prochaine vidéo, vous verrez son utilisation pour réaliser simplement deux montants de traverse, mais avec une petite subtilité, parce que sur le dessous et le dessus, on va retrouver une languette, parce que ce sont des portes coulissantes.
J'en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, surtout dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Si vous souhaitez me soutenir, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !